Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc pour le glitch de don de véhicule, puisque beaucoup de personnes ne connaissent donc pas la manipulation. Donc là mon collègue, d'accord, qui est à droite là, qui est conducteur, maintenant qui est à gauche, ok. Je vais lui envoyer ou il va m'envoyer une course improvisée, n'importe quelle distance, on s'en fout. Voilà, dès qu'on a tous les deux rejoint, on fait lancer la course et celui qui récupère, donc celui qui est au volant du véhicule, il va quitter tout simplement la course. Donc c'est parti, il va aller se coller à son centre dopé. Il va faire flèche de droite. Voilà, je remonte avec lui. Et il va aller se bugger devant la porte du casino. Donc il va sélectionner parking. Et pendant 45 secondes, il attend. Vas-y, je lance le chrono pour toi, gros. Ça marche. Donc là, il a sélectionné parking. Et là, tout simplement, il va attendre pendant 45-50 secondes. Je te dis quand tu peux descendre. Ça marche. Tu peux descendre. Voilà, donc là mon collègue, il me dit voilà, le chrono il affiche 45, je peux descendre. Donc je descends du véhicule. Voilà, je vais lui donner la 770. En gros F1, bien sûr, vitre verte, plaque Newton, bon tout le tinton, vous connaissez. Je vais me débugger de la course puisque pour l'instant, il n'y a personne qui a un mock avec nous. Donc là, mon collègue, une fois qu'il est rentré dans le garage avec l'écran noir, il a rejoint un ami en visée différente. Il a refusé le message d'alerte de visée. Puis, il est allé ouvrir le pack criminel dans le menu start. Une fois que c'est fait, il a fermé le menu start et il est descendu du véhicule, tout simplement. Donc là, il a respawn dehors, il est dans mon véhicule, je lui fais tout simplement une invitation au centre dopé. Il va accepter l'invite au centre dopé et dès qu'il est dans l'écran noir, après avoir accepté l'invite, il va rejoindre à nouveau un collègue en visée différente. Il va accepter le message pour rejoindre la session et il va refuser le message de visée différente. Une fois que ce sera fait, il sera freeze, il ne pourra plus bouger. Il attend tout simplement que ça le téléporte dans le camion. Attends, j'en suis pas encore au freeze là, je suis encore en train de chercher. Voilà. Non, non, mais prends le temps, j'expliquais juste la manip pour la vidéo, gros. De toute façon, après, je vais la montrer à l'inverse la vidéo, comme ça, ils voient les deux côtés, tu vois. Ouais. Donc là, les gars, je vous fais la manip du donneur en premier, et après, je vous fais la manip pour récupérer. Hop. Putain. Ah, oh, putain. Comme ça, ceux qui viendront dans mes lives, ils pourront pas dire je connais pas la manip, les gars. Tout affiché. Oh, bah, celui-là qui fait, je connais pas la manip, moi je le dégage. Je te le dis franchement. Si admettons maintenant vous passez longtemps à donner, vous pouvez vous taper un petit délire. Vous mettez un Fat Joe dans votre centre d'opération mobile. Vous mettez dessus jusqu'à ce que la voiture spawn dedans. Jusqu'à ce que le collègue il ait récupéré le véhicule. Ça ne changera rien au glitch. Juste que voilà, vous allez vous faire un peu boxer par le véhicule. C'est un peu... C'est marrant, ça passe le temps des fois. C'est bon, je suis freeze. Nickel, donc là mon collègue, il a accepté l'invite au centre dopé, il était en écran noir. Il a rejoint un collègue en visée différente, il a fait rejoindre le premier message et il a refusé le message secondaire. Donc là il est freeze, il peut plus rien faire, il est dans le véhicule. Il attend tout simplement d'être téléporté au camion. Donc moi en tant que donneur, je regarde sur la minimap en bas à gauche, je vois toujours mon véhicule clignoter, donc c'est qu'il est toujours dedans. Voilà, donc là il va arriver dans le mock. On a bien vu la voiture blanche arrêter de... Voilà. C'est bon, je l'ai. La voiture elle a bien spawn dans le mock, c'est parfait. Vous voyez, vous faites un peu éjecter, c'est un peu...
Ça peut passer le temps, c'est marrant. Voilà, une fois que c'est fait, qu'il a récupéré le véhicule, il va tout simplement appeler un véhicule d'un autre garage et le rentrer dans son centre d'opération mobile pour déplacer le véhicule qu'il vient de récupérer dans un garage et le sauvegarder. Donc là, moi, je vais faire pareil, je vais appeler donc du coup le véhicule qui a la place de ma Magic Slot. Ah, le problème c'est que si j'appelle le véhicule à la plage de ma Magic Slot, je vais me faire un petit peu niquer. Alors je vais appeler un autre véhicule. On va prendre la Impala. Trop près de mon véhicule personnel, il faut que je le renvoie, ce serait peut-être plus simple. Allô? Ouais. Désolé, j'ai eu un bug Il n'y de a pas de truc là. problème, poteau. Il n'y a pas de problème. Je te Tant que ramène j'appelle la ma voiture. voiture, que je transfère ma slot et tout ça. C'est laquelle qu'il te faut, la X21 là? Ouais, celle qu'on vient de faire, ouais. Vas-y, je te la ramène. Bouge pas. Dans la foulée, j'essaierai d'aller la passer en roue F1 juste après, comme ça ce sera réglé. Vas-y, moi, de toute façon, là, j'ai pas besoin de véhicule. Ouais, comme je te dis, après si t'as besoin, gros, tu demandes, y a pas de soucis, hein. Moi je fais juste le merge de la XA parce qu'il y en a qui m'en demandent des XA donc. Après, je vais peut-être te demander des ici pour me faire un peu de thune parce que là, j'en ai plus. Écoute, une ici, ouais, il m'en reste je crois une, ouais, mais moi je les revends que 1 million pièces, c'est ça le problème, tu vois. Oh, même 1 million, là, j'ai zéro en liquide et j'ai Non, mais 1 500 je en préfère te cash. prévenir, tu vois, tu me demandes des ici, moi je préfère te dire, les miennes elles se vendent que 1 million parce que je les avais fait à l'époque quand il y avait la téléportation, tu vois. Donc du coup Ouais. elles valent pas aussi cher. Vas-y, monte. Suis pas à côté de toi. Ah non, c'est le collègue qui est à côté de moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, monte avec moi, Momo. Et tu vas accepter donc la course improvisée que je vais te lancer. Tu fais rien, tu restes dedans et tu bouges pas. Donc là voilà, moi je suis récupérateur. Momo le collègue il m'aide à me bugger. Donc lui il est dans la course. On a lancé la course, moi je la quitte. Lui il reste dedans. Je vais à mon centre d'opération. Je fais flèche de droite, ça me freeze. Ça va faire descendre le collègue du véhicule. Là le collègue il remonte dedans. Et je vais aller me bugger au casino. Et Momo, je te dis quand tu descends du véhicule, donc pas maintenant, ok? Donc, je clique sur Je peux parking. venir. Et là, moi et le passager, on va attendre 45 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Ah, attends, attends, ouais. Il a dû avoir une couille. Alors, ça arrive des fois. Ça arrive, ça arrive. Je viens de chercher, on va recommencer ça tout de suite. Ouais, je suis dans le bug pour me préparer à faire la vite-moque. T'inquiète, t'inquiète, on va faire comme j'ai fait la dernière fois. Quand ça fait ça, c'est pas grave. Donc c'est parti. Si jamais ça vous fait ça, vous recommencez, hein. Vous prenez le véhicule, vous allez au centre d'OP, flèche de droite, etc. Hein. Si vous recommencez du garage, vous allez avoir quelques soucis pour récupérer. Ok, est-ce que ça te fait descendre? Donc bon, pour l'instant, ça te fait pas descendre, c'est parfait. On attend 45 secondes comme ça. Et dans 45 secondes, le collègue, il pourra descendre du véhicule. Je te dis quand tu descends Momo, donc pas tout de suite, ok? Je te ferai la vite boc et tips boc. Ça marche. Donc merci à Momo, merci à Padré qui m'aide encore une fois sur cette deuxième vidéo.
Momo, tu peux descendre. Voilà, donc là le collègue il est descendu, ça me fait la cinématique d'entrée, j'ai un écran noir infini, donc je rejoins. Donc là, je n'accepte pas tout de suite le premier message, je fais deux sessions. Le message il va s'enlever tout seul si la personne que vous rejoignez est en mode de visée différent et ça va tout de suite vous afficher. L'activité ou le passe-temps de la session que vous tentez de rejoindre utilise un mode de visée différent, donc vous refusez ce message secondaire. Vous êtes buggé, start en ligne, pack d'entrée dans le monde criminel et on ferme. Pour ceux que le pack d'entrée dans le monde criminel ne s'ouvre pas, vous demanderez à un ami dans la session de vous lancer un passe-temps. Vous irez dans la vocale et vous le rejoindrez en spammant tous les messages d'alerte. Voilà. Donc là, moi, j'ai bien respawn, j'ai fait mon petit bug. La XA21, elle est où? Ouais, sur le parking. Elle est là, nickel. Donc je vais Tu me dis quand monter je peux dans mon t'arriver. véhicule. Voilà, donc je monte dans le véhicule que je veux récupérer. J'accepte l'invitation au centre d'opération. Dès que je rejoins un ami en mode de visée différent. On rejoint et je fais rond sur le message de visée. Donc là, vous voyez bien, je suis freeze, je peux pas bouger, je peux rien faire. J'attends simplement d'être transféré dans le centre d'opération. Il n'y a rien de compliqué, la nouvelle méthode, l'ancienne méthode, c'est quasiment pareil, sauf que l'ancienne méthode, elle nous fait taper des écrans bleus. Donc on fait cette méthode tout le temps maintenant. Vu qu'hier j'ai vu dans le live qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient absolument faire l'ancienne méthode, je me permets de vous faire cette vidéo pour vous montrer que l'ancienne méthode, ça sert plus à rien. Il y a plus simple, il y a plus rapide et c'est plus sécurisé. Donc là, ma minimap, elle s'est défrise. Donc j'attends encore un petit peu. Voilà, donc là, je suis en écran noir, c'est en train de me téléporter dans le centre d'OP. Voilà, donc la voiture, elle est bel et bien là. Donc la même manip, je vais sortir, je vais appeler un véhicule d'un garage et je vais le mettre dans le centre d'opération mobile. Donc on appelle le mécano. On lui demande un véhicule, peu importe lequel. De préférence, un qui est pas modé, ce serait bien. Donc on a GT500. Je t'emprunte juste là, il est geek et devant, poteau, faut que je m'écarte, à cause de mon véhicule personnel. Comment ça te reprendre mon véhicule personnel? Il se fout pas un peu de moi là? Ah, ça y est. Donc on appelle un véhicule d'un autre garage et on va le rentrer donc dans le centre d'opération mobile pour sauvegarder la voiture qu'on vient de récupérer. Voilà, donc là ma voiture elle a spawn, elle est là. On fait flèche de droite et ils vous disent bien que si vous mettez ce véhicule dans le centre d'OP, le véhicule garé actuellement sera transféré au garage. Donc vous la rentrez. Si vous voulez après, vous appelez le mécano et vous vérifiez bien qu'elle est dans le garage. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc je vais sortir, je vais quand même appeler le mécano pour vérifier.
Et voilà. Bien, la XA21, elle est bien ici. Donc sur ce les gars, moi, je vous dis à plus tard. J'espère que vous connaîtrez vite la manip de glitch pour les lives. Sur ce, bonne journée. Ciao tout le monde.